Le chantier du GIP est spécialisé dans la charpente navale bois, donc la construction, restauration et réparation d'unités de pêche en bois, plaisance aussi, yachting et bateaux traditionnels. Les risques liés à notre activité sont vraiment multiples, c'est-à-dire que ce soit dans la manutention de ponts coulants ou la manutention de charges lourdes à la main. C'est des risques aussi chimiques dus aux peintures et aux produits qu'on utilise au quotidien. Et c'est des risques aussi liés au bois, donc l'inhalation de poussière de bois est aussi essentiellement dans l'activité. Il y a eu un gros travail de fond qui a été mené avec la CARSAT, c'est-à-dire qu'ils sont venus au sein de l'atelier, on a mesuré toutes les machines électroportatives qu'on avait. Avec leurs techniciens, on a défini un cahier des charges. Personne ne proposait de solution à ce sujet-là, ça n'existe pas dans le commerce. Donc on a dû créer nous-mêmes un support de rail et tout un système qui le permette de s'escamoter et de se déployer. Donc là, il y a eu beaucoup de travail d'ingénierie de notre part, ouais, et puis on arrive à un résultat maintenant qui marche très bien, très ergonomique, et les gars sont vraiment satisfaits de l'installation. Et du fait qu'ils sont satisfaits, l'installation est utilisée, quoi.